Revenons-en à ce Fulco di Verdura. Il appartient à la noblesse, à l'aristocratie sicilienne. Il naît en 1899, d'une famille d'aristocrates siciliens de très très vieille souche, de souche espagnole, tout ce qu'on peut imaginer de plus noble pour la Sicile, et avec cette particularité qui a été peut-être la raison pour laquelle je suis intéressée à ce livre, c'est que ce sont les principaux personnages du livre, c'est-à-dire sa grand-mère et son grand-père, qui ont été utilisés par le prince de Lampedusa, son cousin, pour devenir Angélique et Corrado du Guépard. Alors je pense que là, il y a toute une série Bon, ce sont ses souvenirs entre l'âge de 5 ans et... Tout petit, hein, tout petit. Des souvenirs, oui. 5 ans, peut-être on peut dire que ça, la mémoire d'un enfant, là, il faudrait en discuter. Je crois qu'elle est en réalité plus ancienne que ça. Je crois vraiment qu'un petit garçon, une petite fille, 4 ans, commence à avoir... vraiment, à 12 ans, ils se souviennent de ce qu'ils ont été à 4 ans. Je crois que ça commence à 4 ans, ça doit finir autour des années 14-15 ans, l'âge de la mort de sa grand-mère. Je ne dirais pas de ce livre que c'est... à la recherche du temps perdu, mais plutôt à la recherche des lieux perdus. Oui, il y a une fascination extraordinaire. Absolument, pour tous les lieux. Sur le décor, il est inquiet. Je pense que ça s'explique aussi par le fait qu'il a écrit le livre très très vieux, 2 ans avant sa mort, il avait 78 ans, dans une sorte de panique de retrouver son enfance et de se dire qu'il a été le dernier témoin d'une façon de vivre disparue, et qu'ici, il ne la raconte pas. Et c'est superbe. Oui, oui. Non ? Moi, je trouve ça formidable. Oui, j'adore ça. Alors, ces lieux... Bon, il y a une villa. Ça s'appelle la villa Nichemni. Nichemni. C'est une villa absolument superbe. Oui, c'est en fait ce que je dis dans la postface. Cette espèce de folie de villégiature que Goldoni a tellement bien compris, lui, dans le nord de l'Italie. C'est l'Italie saisie par le démon de la villégiature. Plus personne ne pouvait rester chez soi, même quand ce chez-soi était un palais dont on ne pouvait pas compter le nombre des pièces. Il fallait aller s'installer à la campagne, même quand on était menacé par la ruine. C'est la folie de la villégiature. Alors ils s'installent en dehors de Palerme. Ils ne vont naturellement plus du tout sur leurs terres. Comme de toute manière, ils ne savaient pas combien d'hectares ou combien de... Ces terres, ils ne les connaissaient pas, ils ne les géraient pas. Bon, ils sont menacés par la ruine, mais ils ont cette fameuse maison qu'il faut qu'ils aient et qui fascine le petit garçon Fulco. C'est le paradis terrestre.